J'espère que vous allez bien. Donc, alors, on se retrouve pour la partie 3. Alors, comment je vais commencer? Donc, j'ai marqué toutes les dimensions des rabats, plus les papiers déco des pages et des rabats. Alors, j'ai eu la chance, je n'aurai pas la peine d'en acheter un troisième. Donc là, sur celui-là, il me reste juste les petits die cuts comme ça. Et sur celui-là, il me reste donc les die cuts comme ça. Et il me reste 4 pages. 1, 2, 3, 4 pages. Donc c'est plutôt pas mal. Donc après moi, ce que je fais avec les couvertures, donc déjà avec ça. Ça, je les garde pour justement là, comme on a fait un album, pour mes pochettes, etc. Et ça, les petits carrés, je les garde quand j'ai des petites créations à faire. Voilà. Donc, alors, je vous ai préparé. Ça, c'est les décos des pages. Et ça, c'est les décos des rabats. Donc, il y en a beaucoup, hein. Donc, alors, les pages. Oh, voilà, j'arrivais pas à l'enlever. Donc, on a recto et verso. Donc, on va commencer ça. Donc, alors, oui, alors je suis venue tout coller mes rabats, comme vous avez dit. Donc, j'ai tout, tout, tout usé. Je vais vous faire montrer. Donc, en fait, j'en ai mis de partout. Hop. Hop. Comme ça. Et voilà. Donc ça promet encore être un album très très lourd. Alors là, on va commencer par coller les pages. Alors désolé si je parle mal de temps en temps, mais j'ai attrapé une chique. Alors j'ai pas mal. J'ai pas mal à ma gencive, j'ai pas mal à ma dent, mais j'ai une chique. Donc j'espère que ça va se calmer, sinon bah. Ce sera le dentiste. Alors ça va venir comme ça. Hop. Et donc là, en fait, on va voir un petit peu. Alors, vous voyez pas? Un petit peu du papier du rabat, mais c'est pas grave parce qu'on viendra mettre. On viendra mettre des images ou quelque chose comme ça. Donc voilà. On va commencer par coller. Donc là, on entame la partie 3. Je pense que... Ah ouais, si je l'ouvre pas, ça va pas aller. Je pense qu'il y aura en tout 5 parties. La partie 3, on fait juste ça. La partie 4, ça sera... parce qu'on déco... Ouais, on va dire 6 parties. 5 ou 6, d'accord? La partie 4, ce sera là où on met nos pages pour mettre les photos. Les endroits pour mettre les photos. Donc avec certainement ce dice là, ces dice là, pardon, que j'avais acheté sur Temu. Donc le grand, regardez le grand, il rentre parfaitement. Les autres. Les autres, ils rentrent parfaitement aussi dans le rabat. Dans ce rabat là. Et lui aussi, moi lui c'est juste, lui on fera un papier à la main. Donc ça c'est super si ça rentre. Hop. Donc lui il va là. Après, il faut que je fasse l'ATC du mercredi. Il faut que je me dépêche parce que 5h30, j'ai rendez-vous au dentiste, non, à l'orthodontiste pour ma fille Mandy. Et à 7h, j'ai rendez-vous avec les patrons de ma grande fille Tricia. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai tout le temps des semaines chargées.
tout le temps, tout le temps, tout le temps des trucs à faire. Hop. Ah bah oui, si je vous donne pas les dimensions de mes décos des pages, ça va pas aller. Alors, excusez-moi. Alors. Les décos des pages, ils font 17,5 sur 24. Voilà, 17,5 sur 24. Alors aussi, si vous avez déjà vu ce cahier-là chez Action, donc ça fait un moment que je l'ai, hein, bien sûr, ça fait très 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 longtemps que je m'en sers avec ma maman, vous pouvez télécharger cette application. Donc Scribzy, ça prend pas beaucoup de place. Et en fait, je peux vous envoyer dans votre portable directement, dans votre application, tous mes tutos, si ça vous intéresse. Donc il y en a que j'ai pas encore tout réécrit au propre, hein, comme ça, là. Mais franchement, c'est une super application. Il suffit juste de bien scanner entre les 4 petits carrés et vous avez le tuto. Il ne suffit pas d'écrire entre là, sinon vous avez rien du tout. Donc là, comme les titres, vous les aurez pas. Ça sert à rien, c'était juste pour moi quand j'avais fini mon rabat. Hop, alors. Ah oui, mais j'ai pas collé là aussi. Ah si, c'est bon. j'ai eu peur. Donc ici. J'ai plein de trucs à vous faire en plus. Il faut aussi que je fasse. Le room tour de la scrap. Enfin, j'ai plein de trucs à faire. Alors là, pourquoi il est retourné lui? Ça doit être ce côté-là. Voilà. Donc, j'ai pas ancré, hein, parce que j'avais la flemme, on va dire. Non, j'allais dire, j'ai pas ancré parce que je pense pas que ça aurait fait joli. Je sais pas. Je pourrais toujours ancrer les pages après. C'est pas important. C'est pas inquiétant, je veux dire. Hop. On soulève notre rabat. On va mettre à l'endroit, bien sûr. Et donc là, comme vous voyez, on arrive sur une page, vous savez, les grandes pages où c'est blanc, enfin où c'est neutre, et après on a un décor tout au long de la page. Donc j'ai essayé de pas trop couper sur la tête des oiseaux, etc. Et donc comme ça, ça fait super bien. Donc là, il suffit juste de le mettre à l'endroit. Et voilà. Hop. Comme là, vous avez vu. Alors, faut bien que je me mette sur la page. Et voilà. Ah, il l'a collé là, on ne sait pas, de toute façon après ça va être caché. Comme cette page là. Donc les rabats, je n'aimerais pas les coller avec vous, hein. Franchement ça va être trop long. J'en collerai quoi, une dizaine. Et je vous donnerai les autres dimensions des rabats. Mais si vous avez pris les dimensions des rabats que je vous ai donné, à l'envers. Perso, vous enlevez juste 0,5 de chaque côté et puis voilà.
Hop, on va le mettre 3. Ici. Voilà, ma gorge commence à se nouer. Et quand l'album sera fini, je vous mettrai la présentation, bien sûr. En plus, on doit aussi faire l'album de bijoux. Donc ça, cette fois-ci, on le fera en vidéo. Parce que la fois, je me suis rendu compte que je voulais pas fait du tout, en fait. Là, on viendra comme bien sûr. Et du coup, je pense qu'on fera un moodboard ensemble. C'est vrai que ça me trottait depuis un moment. Puis après, j'ai arrêté d'y penser. Jusqu'à ce que ma maman en fasse un. Du coup, bah ça m'a donné aussi l'idée d'en faire un. Pour essayer, parce que c'est pas trop mon kiff. Bon, c'est plus les ATC, etc. Ou les tickets bonheur. Ou les moumousses, je sais pas quoi, là. Mais bon, pour faire du... On va dire du collage, du art journal, etc. Ça peut passer le temps. Hop. Ah, là, j'ai deux fois la même. On va prendre cette feuille-là. À l'envers, voilà. On arrive sur les dernières pages. Il nous reste encore 2 pages. On va le mettre à l'endroit. Hop. Voilà, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. J'ai eu peur d'un seul coup là. J'ai fait mes pages hier
10 h du soir, pendant que tout le monde dormait. J'étais au calme. Hop. Voilà. Et puis enfin la dernière. Voilà. Déjà là, il est déjà bien assez gros. Vous avez vu la façon qu'on avait plié la reliure, les pages de reliure comme ça? C'est pour que l'album il reste plat comme ça en fait. Donc je regarde une dernière fois si elles sont toutes droites. Oui, c'est parfait. Donc, ensuite, on va coller ensemble les deux premiers rabats. Et après, le reste, je le ferai hors caméra. Donc là, je suis très dans l'ordre. Normalement, ceux-là, ils font 11,5 sur 18,5. Ouais, 11,5 sur 18,5. Et c'est ce qu'ils vont ici. Hop. Voilà. Et celui-là devant. Aussi, attendez, ma perfo, elle est là. On ne fera pas tout le temps. Bon, bah là, la première partie, je vais la laisser. Mais on ne fera pas avec les dies. Parce que sinon, déjà là, rien qu'un papier comme ça, il faudra ré-rétrécir encore la photo. Donc, c'est pas tout le temps évident. Donc, ça, en fait, je pense que je vais faire directement mes bords comme ça. Et comme ça, en fait, on vient mettre la photo directement dedans. Hop. Hop. Et hop. D'accord? Comme ça, hop, on colle ça et la photo, on la met directement dedans. Et donc là, pour coller, en fait, vous pouvez mettre de la colle sur tout l'encadrage, là. Mais là, ne pas mettre de la colle sur la petite, donc ici. Ne pas mettre de la colle sur celle-là. Mais ici, oui. Sinon, vous ne pourrez pas mettre votre photo. Bon, moi, perso, je peux mettre de la colle parce que je ne mets pas de photo. Mais c'est juste pour vous dire. Donc celui-là, il fait 8,5 sur 15,5. Hop. Et donc en fait, les papiers blancs que je viendrai mettre pour la photo, eux, je viendrai les ancrer. Et je le ferai avec ma perfo. Donc 8,5 sur 15,5. Là, je vais faire directement comme ça. Donc là, après, pour la photo, vous adaptez, vous savez, vous pouvez régler vous-même les formats si vous imprimez les photos sur papier, etc. Donc là, à peu près, pour une photo qui fait 8 et, pour un papier qui fait 8,5 sur 15,5, vous pouvez prendre une photo qui fait 8
sur 15, ou si vous voulez voir plus de fleurs autour, vous rétrécissez votre photo. Vous pouvez même mettre 3 petites photos d'identité. C'est vous qui voyez. Donc, voilà pour cette partie-là. On va refaire encore une. Donc, pour ce rabat-là, il va faire 9 sur 14. Donc là, ouais, j'avais dit que je ferais ça. Hop. 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 Et hop. Donc on va le mettre en dessous. Voilà. Et on va faire cette partie-là. Donc toujours 9 sur 14. C'est pas droite, ça. Voilà. Allez, on en fait encore un dernier et après je vous laisse. Après sur la robe, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos. Hein. Vous pouvez juste mettre, comme on l'a vu tout à l'heure, les petits die cuts ou des petites décos, etc. Là, je vais pas faire mes bords. Donc celui-là, il fait 11,5 sur 16. Donc à chaque fois c'est x2, là et derrière. Là j'aurais peut-être dû mettre derrière, comme ça j'aurais mis une verre ici. Hop. Encore mettre de la colle. Donc toujours 11,5 sur 16. Voilà. Ensuite, je vais vous donner les autres dimensions et on va s'arrêter là. Alors, les dimensions suivantes, ils vont faire 11,5 sur 18,5 x 2. 15,5 sur 8 x 2. 7,5 sur 17 x 2. Donc, 9,5 sur 14, 8 sur 19. 11 sur 8, 8 sur 17, 15,5 sur 8, 7,5 sur 19, 8 sur 17,5, 16 sur 14, 7,5 sur 8, donc tout ça fois 2, hein. 14,5 sur 15,5, 5,5 sur 14, 9,5 sur 18,5, 15,5 sur 8, 17 sur 8, 6,5 sur 14, 16 sur 14, 16 sur 11,5, excusez-moi, 18,5 sur 10, 8 sur 15, 6,5 sur 15,5, 11,5 sur 19, 16 sur 15,5 et 6 sur 14. Donc voilà, et ben moi je vais vous laisser là parce que je commence à pas me sentir trop bien là. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout à l'heure peut-être pour la TC. Bisous.